Comment tu te sens? Bien, bien. Allez, t'es prêt pour une bonne séance? Ouais, bien. Welcome. Merci. Let's go. Bon, on se pose sur le vélo, on s'échauffe. Et je prépare la séance. Allez, 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Christophe Riga. Bienvenue ici dans mon studio de préparation physique à Genneval. Mon activité consiste vraiment à encadrer les pilotes comme Grégoire pour pouvoir les préparer au mieux par rapport à leur sport qui est assez spécifique. L'objectif des séances que l'on fait ensemble, c'est de pouvoir les préparer au mieux, à pouvoir physiquement être au top pour leur compétition, leur week-end de course. On fait tout un travail basé sur la posture, sur l'endurance, sur les réflexes, la coordination, vitesse de réaction, prise de décision et résistance musculaire. C'est vraiment le mieux pour pouvoir se préparer à ce type de sport où ils doivent s'adapter à pas mal de choses dans la voiture. Et finalement, l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient affûtés et prêts à ne pas trop souffrir dans la voiture. Enlève ici. Pour gauche 33, coupé in gravier. 60 mètres, droite 15, gauche 10, frein pour attention, droite 30, moins coupé in. Sur gauche 30, dur, raté. Hello guys, we are here in Ypres for Belgium's first WRC event. Our first day was good, but we made a small mistake at the end of the day. We lose about 4 minutes 30 seconds. But the second day was already much better. We did some really good times, show our potential, so we're quite happy. The car is working really well. Now we're gonna head to Spa, on the circuit of Spa-Francorchamps, for the last stages of the last day of the WRC Ypres. We are here in Spa, we just finished WRC Ypres Rally. We just did the fastest time in the pro stage, so really happy about this. The stages in general around Spa were really fun to drive with a bit of gravel and dirty roads. Also on the circuit, things like Eau Rouge and others was really fun to drive. In general, we're happy about what we showed this weekend. Our pace was encouraging. We did three fastest times. It's a bit shameful for my mistake on Friday, but for the rest, I think it was a good event. We're already looking forward to the next one.